être créateur de contenu, avant tout, c'est divertir les gens. Je pense que tout le monde aura toujours un avis sur les influenceurs et l'influence en général. Du jour au lendemain, t'es exposé, t'es célèbre, on comprend pas vraiment comment tu es devenu, bah y a de la jalousie. C'est un modèle qui est désastreux pour la jeunesse. Un influenceur, tu te fais démonter. T'as pas le droit de faire du bien, parce que comme on est des merdes par définition, le bien, on ne sait pas ce que c'est. Tant mieux, t'as l'impression que je programme ma vie, c'est que mon travail est bien fait. C'est des personnes normales, mais qui ont une vie extraordinaire. Parce qu'ils ont justement beaucoup d'influence, ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, on gère la carrière d'une trentaine d'influenceurs. Notre métier, c'est de les vendre. Vous, vous bossez en couple, c'est quand même un sacré dos, hein. Faut être très très résistant. Ah bah, il n'y a pas que toi dans la live. Il n'y a pas que toi dans la live. Tu vas vite te calmer. Vas-y, tu me casses les couilles. Mais en fait, tout le monde te prend en photo tout le temps. Et tu deviens un peu fou, tu vois. Tu vas pas pleurer. Il y a un mariage qu'il va falloir commencer à organiser. Là, je vois pas quand. En fait, ça s'arrête jamais à aucun moment. Si on veut se développer à l'international, il y a un talent. On doit signer. Les agences du monde entier le courent après. On peut pas se louper. This universe is Philippine. C'est plus qu'un enjeu, c'est... ça passe ou ça casse. On se dit pendant 30 minutes, on arrête de bosser. Essaye, tu verras. J'ai juste un dernier mail. Voilà, tu vois, t'as déjà... ça y est.